Bonjour à tous et bienvenue dans la League of Origins. Nous sommes partis pour les références de Kog'Maw dans la vie réelle et dans le jeu. Kog'Maw a été conçu par Ezreal. Kog'Maw est exprimé par Patrick Sides, qui exprime également Renekton et Lucien. Ce champion a été repéré lors de la sortie officielle de Malzahar. Son inspiration. Si on observe rapidement Kog'Maw, au final on peut dire que c'est une sorte de larve peu ragoûtante avec une énorme gueule baveuse. Eh bien, c'est le dialecte Cebuano, une langue parlée dans les Philippines. Kog'Maw signifie morve et Mao signifie gueule. En définitive, ces deux termes qualifient assez bien Kog'Maw. On peut également faire une comparaison entre Kog'Maw, entre les Murlocs, le jeu World of Warcraft. Aussi bien Kog'Maw que les Murlocs ont une capacité de communication bien à eux, se résumant à des beuglements peu compréhensibles, et tous deux sont originaires des profondeurs des abysses. Kog'Maw est l'un des 5 champions à avoir des capacités qui leur permettent de continuer à attaquer après la mort, les autres étant Karthus, Sion, Yorick et Zaira. Kog'Maw était le premier champion à avoir une animation blague, la seconde étant Miss Fortune. Kog'Maw est l'un des seuls champions venant du néant et ayant le titre Gueule des Abysses plutôt que Gueule du Néant. La blague habituelle de Kog'Maw, le tin-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, est similaire au clairon de charge. Passons maintenant au skin. Sur son skin classique, nous pouvons voir des Corbin et également Helmet Bro qui s'est fait manger par Kog'Maw. Kog'Maw Lion Chinois. C'est une référence aux traditionnelles fêtes chinoises dans la danse du lion effectuée au Nouvel An. Les différents visuels de ses attaques automatiques et ultimes ont été modifiés pour afficher des feux d'artifice à la place. Kog'Maw le Reine. Sorti au solstice d'hiver, ce skin peut jouer la mélodie de Dex the Hall avec Sona Nocturne. Je vous mets la vidéo tout de suite maintenant. Kog'Maw Jurassic. Ce skin a un thème de skin en commun avec Kog'Maw Jurassic. On peut d'ailleurs apercevoir une des pinces de Kog'Maw Jurassic sur son illustration. Au second plan, sur cette illustration, on peut apercevoir un squelette ressemblant à Omen, un champion annulé. Mecha Kog'Maw. Ce skin a un thème de skin en commun avec Mecha Shogat Prime, Mecha Skarner Alpha, Mecha Urgot, Mecha Volkoz, Victor Créateur et Xerath Condamné, dont l'onglet les associe directement tous au skin Battlecast. Voilà pour ce champion, j'espère que vous aurez apprécié d'apprendre plus sur Kog'Maw. N'hésitez pas à rajouter des choses si j'en ai oublié, forcément. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à like, à commenter, à partager. Ciao et bye! Hello tout le monde, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, à commenter, à partager ou à vous abonner. D'ailleurs, celle qui est à gauche est très marrante. Allez, ciao et bye!